C'est monsieur le maire de le château. Hugo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est lui. Ils ont collecté une donation, une don pour la restauration des œuvres dans l'église de René-Château. Ah, c'est très gentil. De la part donc, de l'association Prieuré de Sion, Rose-Croix Veritas, donc Marco Rigamonti préside le cercle extérieur, d'accord. Rose-Croix Veritas, Domizio Cipriani m'assiste dans la partie plus intérieure. C'est très gentil, on vous remercie énormément, ça donnera un petit coup de pouce pour la restauration. Ben ça montre une chose, il y a eu des dégâts de fait, malheureusement, oui. Stupides, des dégradations stupides. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Mais ça montre que finalement, Rennes-le-Château, son église, ses constructions, son ancien curé, a pris une dimension internationale. Et oui, ça a créé un mouvement d'émotion quasi général. Oui, ça c'est la vérité, mais quelque part c'est un mal pour un bien, puisque la tête qui va être refaite va être la tête d'origine. Voilà. Donc, oui, on peut retoucher. Voilà. Ah, ça va. Comme ça je m'arrête, c'est bon.